La dernière fois, on avait fait ça sur une tourelle. Et boum! Cette fois-ci, il y a intérêt à être bien attaché. Et oui les amis, le Patator est enfin de retour sur la chaîne avec le Golfator. Le Golfator qui est donc un canon entièrement en métal. Et il y a plutôt intérêt étant donné que celui-ci carbure à l'oxyacétylène. Si vous vous rappelez bien, j'ai déjà fait sauter une bagnole avec ça. Il est donc fabriqué avec un réservoir de 2 cm d'épaisseur, des cônes usinées en acier au carbone sur mesure, un canon parfaitement à la dimension du projectile, qui seront dans un premier temps des balles de golf. Donc pour s'amuser, on a plein de jolis petits objets, hein, des mugs, des jolies petites poupées, des télés, un micro-ondes, enfin plein de belles petites choses. Je pense que vous allez être servi. Un grand merci déjà à Mano Mano, qui est un gros site de bricolage, je vous mets le lien juste en dessous, de me soutenir sur ce projet. Big up à eux. And also joining us today, we have very special guests. Dun, dun, dun. We've got these guys who came all the way from London, right? Bonjour, yeah, from London. Yes, I'm Stephen and this is Pasquale from Love High Speed in London. Hey guys. Nice. That's a nice toy you've got there. This is one of the toys we brought today, the Phantom Onyx. It's there's 3 in the world. It's 3 in the world? Yes, yeah. It's an experimental one, I guess, to play with one today. So let's hope he makes it worth our while here. Yeah. Ils ont donc ramené 2 caméras fantômes, oui parce que une c'était pas assez. Une Phantom Onyx V2640 qui est donc apparemment, il n'y en a que 3 dans le monde, c'est la plus puissante qu'on puisse trouver. Et une Phantom VO640S qui est aussi une petite merveille. Pour comparaison, par rapport à ma Chronos, celle-ci est à peu près 5 fois plus puissante et l'autre là-bas, je sais pas, 15 fois plus puissante, 20 fois plus puissante. C'est un truc de fou. Pour ce premier tir, on va tirer au-dessus d'un chrony, qui est un appareil de mesure normalement utilisé pour les balles de fusil. Donc on va tirer dessus et on va aussi pouvoir commencer à regarder le slow motion avec ces deux gros bébés. Donc c'est parti, premier tir. Mesure de vitesse avec les fantômes, go! Ça c'est bon ça! Oh, il s'est mis en erreur, lui, il a pas réussi. C'est pas grave, on a la grande vitesse. Oh, je veux voir le ralenti. It went black. And that is still fast for 12,000 frames per second. Well, we can go higher. Bon, les premiers slow-mo sont déjà magnifiques. Par contre, avec la chaleur et tout, j'ai l'impression que le poste, il a un petit peu du mal à délivrer son oxygène correctement. On sait qu'on va en ajouter plus pour la suite. Et on va passer aux vraies expériences. Pour la prochaine expérience, on a donc bougé la grosse fantôme ici. Et on va tirer sur une tôle en acier, assez fine. Et on espère avoir une belle vibration, une onde qui se propage quand il y aura l'impact. Allez, le tir sur la tôle. 3, 2, 1... It went right through. On arrive à voir les marques de la balle de golf. I want to see it. I want to see it. Show me, show me, show me. Même pas le perd de vitesse là truc. Et toutes les étincelles qui frappent. Oh, c'est génial, c'est génial. Dis Rémi, pourquoi en Lorraine, même quand il fait hyper chaud, il y a toujours de la neige? Ah, j'en peux plus là. Bon allez, on repart avec une balle jaune cette fois-ci dans le canon et droit dans la télé. Alors. Les gars, là-bas, il paraît que ça va passer à travers. Moi, je dis que ça va rebondir. Et la Onyx, on la règle en 1920 par 720, un format assez allongé à 18 000 images par seconde. I say it's gonna bounce back. We'll see about that. Allez, tire dans la télé. Dans 3, 2, 1.
Wow! I thought we said through the screen. Oh, through the screen or through the TV? We're changing the rules suddenly. Baptiste is playing the French game. Check playback. It's actually sucked in because the tube's under a vacuum. Yeah. Great Britain won, France zero. It went through, but it stayed inside, so I think you won. You guys won. I think we did. There it is. Oh! Oh, la pauvre balle! Ça, c'est un trophée. Bon, moi, j'ai envie de fraîcheur avec une pastèque. Oui. Qui n'est probablement plus très fraîche, mais c'est pour la science. Ouais. Il fait trop chaud! La dernière fois dans le Patator, on avait eu de très très beaux plans. On était seulement à 4000 images par seconde. Là, on va être à 19000, ça va être incroyable. Tire dans deux pastèques à la balle de golf. Fire! It's warm and it tastes good! Oh! Ah, mais la deuxième, on peut la manger! La deuxième, on peut la manger. Bon, l'autre, on demande pas. Hein. L'autre, elle a été vaporisée. Enfin, je te dis qu'il y en avait deux. Moi, j'ai pas vu. Hein. Regarde, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Hein. C'est bizarre, hein, comme ça a disparu. Hein. Ouais. On regarde ça au ralenti pour voir comment elle a disparu. Ouais. Let me see that. I want to see that. À l'intérieur. Oh. Oh. Ça c'est beau ça. Ça c'est du bon ralenti ça. Mais elle est magnifique. Trop moche. Bon, on a cette poupée assez horrible. Qu'il faut qu'on éclate. Je pense qu'on va lui mettre un gros IPN ou un truc en métal là. On va la caler et on essaie de l'envoyer en plein dans le museau. Ah, juste son corps, il va pas reculer avec la tête. Poupe, il y a juste la tête qui s'en va. Ah, ce serait énorme. Allez, au revoir mademoiselle. Et viens pas hanter nos cauchemars après. Hein. 3, 2, 1. We pop the head right off. La tête, elle a dégagé, je l'ai vu partir. Elle a pas bougé. Fast, the eyes stay in place. Look. Yes. Look at the eyes. Oh, the gas comes out of the back of the face. Oh, c'est écœurant. Regarde le petit truc qu'elle a en plus. Elle est complètement maudite. Elle est possédée. She's been baptized by Baptiste. Oh my god. That's a nice clean exit right now, isn't it? Oh dear. Oh. On reflète pour avoir de la lumière puisqu'on va filmer à 40000 images par seconde avec la grosse bête et on va tirer cette balle de golf. C'est
en plein sur ce bloc d'acier bien rigide. Là, le but, c'est de voir à quel point on va pouvoir écrabouiller la balle. Et ça, ça va être intéressant, je pense. 3, 2, 1. Waouh! Bon, alors la balle de golf, elle est en poussière, c'est fini. Non, je crois que j'ai vu un morceau revenir là. Je l'ai retrouvé. Ah, c'est passé. Wow. Elle a tapé fort. Oh! Waouh! Oh, c'est original, Experiment Boy. On a un micro-ondes, sauf qu'on va changer de canon sur le golf à tort et il va se transformer en canette à tort. Oui, on va retirer une canette, mais celle-ci, elle devrait avoir un peu plus de... Et puis les caméras, elles ont un peu plus de... Tu vois ? Tire de canette pleine dans le micro-ondes. 3, 2, 1... Alors, on a une sacrée belle explosion. What? It exploded inside. Yeah, yeah. That's all the can coming out. We just wet the microwave. Sticky soda. Yeah. La canette, elle a explosé à l'intérieur du truc tellement il y a... Il pousse trop. Ça pète tellement fort. Ce qui est fou sur la Onyx, c'est qu'on a, on voit l'explosion. Et peu de temps après, wow. On va pas s'arrêter là avec l'échec du micro-ondes qu'on a juste lavé avec du coca. Je pense que maintenant, on va finir avec une explosion, end with a bang, comme on dit. Et on va vous montrer ce qui se passe si on met ce mélange de gaz dans un patateur en PVC. Vous savez le truc qu'on vous dit de pas faire? Ben on va le faire. Ouais. Donc on va faire sauter ce vieux patateur là, qui a été rafistolé pour l'occasion. Rémi, tu veux sacrifier ton patateur pour la science? Non, je veux pas. Je veux pas. Ça investit. J'ai chaud à la tête. Oui, j'ai chaud. Il va falloir qu'on se mette assez loin pour celui-là. Allez, c'est parti. Patateur en PVC rempli à l'acétylène. Dans 3, 2, 1. I think it works. Did you hear something? Voilà pourquoi faut pas le faire les enfants, vous avez compris? Venez, on va voir ce qui reste. T'as trouvé un morceau? Oui, sauf que c'est un raccord, ça veut dire que c'est encore pire. Il y a tout qui a pété, mais la planche elle a pété avec. Elle était accrochée à la planche. Ça marche toujours ces trucs. Je pense que la patate elle est sortie. Elle est sortie? Bah ça marche, mais c'est un monocoup. Elle est où? On avait mis une balle de golf dedans, elle a dû partir la idiote. J'ai vraiment envie de voir ça. Félicitations. Bon bah voilà les gars, vous savez pourquoi il me faut une fantôme maintenant dans ma maison à moi. Again, thank you guys so much. We've got the best shots ever. Yes. We made it. High five, man. Very awesome. Very fun day. Yeah, it was worth the drive down, wasn't it? Yeah, it was, huh? And the heat. And the we got a full tan in one day. Holy cow. Hot. Hey, tu les piques pas, hein? Quoique, non. Vas-y, prends celle-là, je prends celle-là. 1, 2, 3. Encore un grand merci aux mecs de chez Love High Speed, vous pouvez les checker dans la description et leur magnifique caméra. Elle va repartir. Ah, un gros merci aussi à Mano Mano pour m'avoir aidé sur ce projet sans qui on n'aurait pas pu le faire. Bon allez, je crois qu'on a des miettes à ramasser. Je remballe ma télé et j'y vais. Hein. Allez, au revoir. Wouhou.